Eh bien, le bonsoir, mes petits viewers et YouTube et tout le tralala. Je suis sur X à fond. Tout va bien. Comment allez-vous? Prêt Le pour climat une YouTube. petite partie de l'appel de Ctululu? Mais plutôt, Oh, ouais. merci pour le resub. 15 mois, hein. D'ailleurs, j'ai regardé dans bientôt un mois, ça va faire 2 ans qu'on a commencé à Larian. Même si en vrai, on a commencé un petit peu avant avec la création des fiches de personnages et tout ça, mais ça commence à faire. Ah ouais, déjà. Ouais, Dans ça. combien de temps? Dans un Dans combien mois. de temps? Dans un mois, on a commencé à créer les fiches de personnages Ah en oui, parce qu'on a mars. commencé à on a On a commencé à commencé en l'arrière en octobre. septembre, je crois. Ouais, octobre. Mi-octobre, Octobre, ouais. mais Donc on avait laissé passer l'été et tout, mais on était déjà un peu la tête dans le guidon déjà à ce moment-là, donc c'est assez marrant. faut faire un épisode de gâteau d'anniversaire alors. On fera Ah, les mais 10 ans dans quelques années. l'épisode comédie musicale, il est toujours Le là. chapeau. Hein. Je veux vous entendre chanter pendant entre 4 heures, ça va être magnifique. Après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai mal la tête à la fin d'une séance. Bon. On part pour l'épisode 4, du coup, des 5 supplices. Il y aura juste Nimé pour le moment qui est pas tout de suite là. Il arrivera juste après, donc notre chère Héloïse. Mais on va commencer maintenant, le temps de faire le petit récap, réexpliquer 2-3 petites bricoles, etc. Et puis comme ça, on sera parti. Bien. Surtout que le dernier épisode, il était un petit peu particulier, vu qu'il était séparé en deux. Donc avant cette séparation, vous aviez rencontré donc des Chinois de Paris qui vous avaient quémandé par l'aide de Ryuru, et vous avez été donc dans ces sous-sols pour discuter un petit peu avec eux. Et vous avez donné des informations, surtout liées à Liu Chen, pourquoi l'arcane des cinq supplices avait été mis en place. Donc je vous réexplique, hein, c'était pour protéger donc Liu Chen, parce que Saïk Fongli, le grand méchant de l'histoire, veut récupérer cette fille pour faire chanter quelqu'un. Et du coup, voilà. Après cette visite avec ces personnes-là, vous vous étiez séparés en deux groupes. Il y avait d'un côté, du coup, Alfred, Nora et Héloïse, qui ont été du coup à l'extérieur de la gare. Quant à Henri et Francis, vous étiez restés à l'intérieur de la gare. Pour le premier groupe, quand vous êtes sorti de la gare, la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'était justement d'aller voir si Liu Chen, qui avait été récupéré et mis à l'hôpital le plus proche de l'incendie qui s'était déclaré enfin, le jour avant, pour voir si tout allait bien, parce que finalement, toutes ces révélations de ces Chinois à Paris, voilà, c'était merci. Et c'était assez compliqué de savoir si elle était toujours là, si elle allait bien, même si je crois que c'était Alfred et Héloïse qui avaient donné un coup de téléphone à l'hôpital pour voir si tout allait bien. On vous avait expliqué qu'elle était sous sédatif, en gros, qu'elle était elle n'était pas encore consciente, mais qu'elle était à l'hôpital et que tout allait bien. Mais au moment où vous avez été du coup à l'hôpital, voilà, on vous a fait un petit peu traîner en longueur parce que vous n'étiez pas de la famille, c'était un petit peu long, tout ça, et surtout que la dernière information qu'on vous dit à l'accueil, c'est que ses cousins sont venus la chercher. Et du coup, là, il a commencé à y avoir un espèce de petit stress, ils se sont dit, il y a une douille quelque part, voilà. Et du coup, vous êtes monté donc à l'étage pour retrouver, parce qu'elle avait laissé le manifeste ouvert, vous aviez vu où elle se trouvait. Vous êtes monté, et en fait, vous êtes rendu compte qu'ils étaient clairement en train de kidnapper Liu Chen. Donc les Seïds de Saïk Fongli étaient en train de la kidnapper. De là, vous avez fait une petite course-poursuite en descendant les escaliers de l'hôpital vu qu'ils étaient partis par la sortie de secours, et vous avez failli, en tout cas pour Alfred et Nora, vous avez failli vous faire percuter par une voiture noire qui ressemblait à... Oh! Mon premier cheers! Merci beaucoup! De rien, de rien. Je savais même pas la couleur que ça avait, tu vois, sur l'overlay, vu que c'est un truc pré-mate. Merci beaucoup. Ouais, donc course-poursuite, vous avez failli vous faire écraser, tout ça, et voilà, en discutant un petit peu, les gens de l'hôpital vous précisent que
ils vont téléphoner à la police, mais que si vous avez des informations pour retrouver cette fille, parce qu'elle est en danger, elle était hospitalisée, donc voilà, c'est dangereux. Voilà, ils vous ont laissé pour aller la retrouver, ou en tout cas avoir le maximum d'informations sur elle. De là, vous, n'ayant pas vraiment de piste, vous êtes parti chez Guangying. Et chez Guangying, il s'est passé des choses que je ne vais pas dire maintenant, parce que je vous laisserai raconter, du coup, Alfred, Nora et Héloïse, au moment de la réunification. Et il s'est passé des choses. De là, vous avez été chez Louis Lonsdale, qui est donc un riche investisseur qui a participé du coup à la mise en place du pavillon chinois, donc l'exposition d'antiquités chinoises, du coup à la gare de l'Est. Et voilà, il s'est passé aussi des choses, j'en dis pas plus, et du coup, vous avez un petit peu fouillé ses affaires, etc. Et vous êtes revenu du coup en gare de l'Est, et il est, au moment où vous revenez, il est 20h30. Sachant que vous savez que vers 21h, c'est censé, voilà, tout, ils sont censés fermer la gare de l'Est et les expositions, etc., etc. Ça, c'est pour le groupe, du coup, de Alfred, Nora et Héloïse. Par contre, pour Henri et Francis, il s'est passé autre chose. Déjà, vous êtes restés à la gare de votre côté parce que vous aviez un rendez-vous avec Alfred Breton, qui est, du coup, secrétaire au ministère des Transports ferroviaires, et vous êtes directement concerné via lui parce que c'est lui qui vous a demandé de fabriquer cette fameuse locomotive. Au moment où vous allez vers le rendez-vous, vous avez été interpellé par un Coréen qui s'avérait être un journaliste, en tout cas c'est ce qu'il disait, et il voulait vous poser des questions sur l'incendie. Il vous a clairement posé la question si c'était un accident ou si c'était volontaire. Vu que vous étiez pressé pour le rendez-vous, vous avez occulté ça et vous avez foncé vers Albert Breton, pardon. Vous avez eu une discussion avec Alfred Breton et il vous a clairement dit que la locomotive avait fait forte impression et qu'ils aimeraient en commander plus pour avoir plus de ces locomotives qui font justement le trajet jusque... Enfin, c'est le transsibérien, hein, clairement. Donc voilà, ils vous ont commandé des nouvelles locomotives. De là, vous êtes sorti, vous discutiez un petit peu sur le pas de porte et vous avez vu donc un diplomate américain qui s'appelle Stuart Tanner, qui était un petit peu louche. Il avait l'impression d'être voilà, stressé, il marchait d'un pas vraiment pressé, et en direction du train de Seifengli. Vous avez été donc au train de Seifengli, et en passant par les sous-sols, que vous connaissez plus ou moins bien maintenant. Et vous avez entendu voilà, une dispute, c'était une dispute assez à sens unique, hein, d'ailleurs, c'était plutôt Stuart Tanner qui parlait à Seifengli, qui lui restait d'un calme olympien. Il vous a dit d'ailleurs dans ce truc-là, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, maintenant retirez-moi ça. Et ça tournait principalement autour de ça. Et vous aviez cru comprendre qu'il avait un objet de pression sur Seifengli, mais ne voyant pas ce qui se passait à l'intérieur, vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé. Une patrouille passait par les sous-sols, et vous avez décidé de vous planquer en vous accrochant sur le train, et à ce moment-là, Francis, tu avais remarqué plusieurs choses. Tu avais remarqué qu'il y avait un râtelier d'armes à l'intérieur du train, un journal posé sur la table à côté de la fenêtre où il y avait un article de journal entouré, et une jeune femme au fond du train sur un canapé qui s'avérait être justement Liu Chen, qui avait été du coup récupéré le temps que vous ayez votre rendez-vous avec Alfred Breton. Ensuite, vous êtes reparti et du coup vous avez attendu le groupe de Alfred, Nora et Héloïse qui du coup revenait à ce moment-là. Donc il est 20h30 à l'heure actuelle. Vous êtes devant la gare. Juste pendant notre temps d'attente, on avait juste vu Seifengli et son groupe partir en voiture et revenir du coup avec. Oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de préciser ça. Lonsdale, du coup, mais nous, on sait pas que c'est lui. Oui, c'est ça, vous savez pas encore que c'est lui, mais je vous avais montré la photo, voilà, un petit bonhomme assez vieux, courbé, et vraiment, il n'est pas l'invité de Seifengli, il est clairement le prisonnier de ce que, voilà, vous aviez fait des jets de
perspicacité, je crois, ou quelque chose comme ça, qui avait déduit ce truc-là. Il avait poussé dans le dos, voilà, il n'était pas très pas très urbain avec ce bon vieux Louis Lonsdale. Du coup, on en est là, vous êtes sur les escaliers, il y a la grande horloge au-dessus de vous de la gare de l'Est. Il y a encore un peu de monde, en fait, dans la gare. Pourquoi ? Parce qu'il y a le clou du spectacle, hein, le fameux cerf-volant qui va voler au-dessus de Paris pour toute la nuit. C'est ce qui est plus ou moins prévu. Et du coup, vous êtes sur les marches au moment où ils arrivent. Vous voyez d'ailleurs, vous, Alfred et Nora, qu'il y a une petite pile de journal à côté de Henri et Francis. Et du coup, vous êtes en train de revenir. Et de votre côté, Alfred et Nora, vous avez juste Héloïse qui vous dit « J'arrive, je dois discuter d'abord avec le chauffeur. J'arrive dans quelques minutes. » Et du coup, vous rentrez dans la gare et vous êtes ensemble au niveau de la gare. Vous êtes vraiment dans le hall central, vous êtes à l'extérieur, hein, vous êtes dans la partie centrale de la gare à l'extérieur. Et du coup, vous vous retrouvez. Salut, salut. Bah voilà. Alors pour le moment, t'es en train de discuter avec le chauffeur. Donc dans les 5 prochaines minutes, tu es pas encore là. Tu viendras juste après. Pas de problème. Et du coup, voilà, vous arrivez à ce moment-là et vous vous retrouvez. Qu'est-ce que vous faites ? Donc on se retrouve avec Francis et... Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Je vais commencer genre, en leur disant « Laissez-moi deviner, enfin du coup, comme on savait où ils étaient, laissez-moi deviner, vous n'avez pas trouvé Liu Chen. » En effet, elle a été enlevée par les hommes de Saifengli. Oui, effectivement, elle est dans le train de Saifengli au moment où on se parle. Il y a combien de voitures, de wagons sur le train ? Parce que du coup, on peut indiquer tout de suite dans quel wagon elle est, je sais pas. Détail. Ouais, bien sûr. Il y a une locomotive, il y a une locomotive de charbon derrière, et il y a 5 wagons. Et elle était dans le premier wagon. Ok. Donc voilà. Elle était dans le premier wagon. On trouve un moyen de la faire sortir de là. Il y a eu un début de soirée mouvementé. D'ailleurs, je précise, hein, mais vous voyez que Nora est un petit peu... elle boite un petit peu. Vous voyez que Alfred est un petit peu sale au niveau du pantalon. On dirait qu'il y a eu du mouvement, quoi. Il n'y a pas besoin d'être Sherlock pour déduire que il a dû y avoir de l'action. La libérée ne sera pas si facile. Les hommes de Saifengli font des rondes. Oui, ils sont tous armés. Et ils n'ont pas l'air commodes, effectivement. Ce que j'ai... On a eu déjà affaire à eux et je ne sais pas si vous avez vu passer un homme plutôt âgé. Ils ont enlevé Monsieur Longsdale. Saifengli et ses hommes. Qui, peu de temps avant vous, on l'a vu passer. Environ une vingtaine de minutes avant que vous arriviez. Ouais, j'ai pas noté toutes les heures. Non, je t'en ai cherché. C'est normal, hein, parce que vous n'avez pas les deux versions. Donc, il vous a précédé de pas grand chose, quoi. Donc, il doit être dans un des wagons, quoi. Probablement. Et il faudrait qu'on. Ça va être très compliqué, mais il faudrait qu'on arrive à les empêcher de repartir en Chine. Il faut que je vous raconte tout. On a vu Guanyin après avoir été à l'hôpital pour chercher Liu Chen et qu'elle se soit fait enlever. Et on a vécu quelque chose de particulier. Je ne sais pas si vous allez nous croire, mais plus particulier que ce qu'on a la scène à laquelle on a assisté après l'incendie. Disons que ce que nous ont dit les hommes tout à l'heure s'avère être plutôt vrai. Oui. Nous avons... Allez-y. Je voulais juste rajouter que je n'y croyais pas quand ils nous ont raconté leur
leur sorcellerie ou ce genre de choses qui n'avaient ni queue ni tête, mais au vu de ce qu'on a vu avec Mademoiselle Fort et Monsieur Renault, je pense que le doute n'est plus permis. Non, en effet, on a affronté quelque chose de... que je qualifierais de paranormal. Une ombre qui était chez Guanyin. Et il nous a raconté des choses une fois qu'on a réussi à se débarrasser de cette ombre. Je pense aussi que malheureusement la police ne pourra rien faire pour nous aider. Ça dépasse leur compétence, clairement. Et comment on se débarrasse d'une ombre ? Moi, je n'ai pas bien vu, mais le sortilège était lié à une statuette et à une bougie. Et en détruisant la bougie, l'ombre a disparu. Guanyin nous a dit que c'était un sortilège de Sai Fongli, enfin que Sai Fongli maîtrisait. En gros, il cherche à capturer Yu Chen, car c'était la fille d'un tatoueur qui aurait des pouvoirs très importants. Et c'est pour faire pression sur lui qu'ils l'ont enlevé. Et tu arrives à ce moment-là, Héloïse. Et t'as entendu la fin de la phrase, là. Tu sais de quoi il parle. Mademoiselle Forge, j'expliquais ce qui nous est arrivé à Francis et Henri. Ah oui. On essaie. Enfin, je pense que ça va être. Enfin, c'est compliqué pour vous de. Enfin, peut-être qu'avec ce que vous avez déjà vu, vous êtes plus à même d'y croire, mais voilà, nous faisons vraiment face à de la magie. Il n'y a plus de doute. La preuve, vous étiez le plus sceptique d'entre nous, monsieur Renault, et je pense que l'expression avoir vu pour l'avoir cru s'applique très très bien pour vous. Oui, voilà. Je ne peux plus rien nier. Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ce temps-là ? Vous dites que vous avez vu Liu Chen ? Oui, alors c'était un pur hasard. Enfin, même si on est allé un petit peu fouiner du côté de leur train, mais effectivement, on a vu Monsieur Tanner, quelqu'un que je connais un petit peu. Se diriger, on va dire, vers leur locomotive, et bon, il avait l'air d'être plutôt pas bien, donc ça m'interloquait, on est allé voir un petit peu. S'en est suivi une discussion un peu particulière, où M. Tanner faisait pression sur Tsai Fungli, justement, et en indiquant un événement qu'il devait dissimuler, et bon, c'est la petite pile qu'il y a là à côté de nous, justement, c'est... C'est en rapport avec cet article, donc je prends celui que j'avais gardé sur moi et puis je leur montre en fait. Enfin, je pense que ça vient de cet article-là. Ouais. Et du coup, tu vois l'article que j'avais mis sur Discord, donc je le lis à voix haute. Hein. Trois commerçants chinois retrouvés morts. C'est dans les quartiers nord de Berlin que la police a découvert dans la nuit de jeudi les corps étranglés de trois individus de type asiatique. Il s'agirait de commerçants chinois établis dans la capitale depuis quelques années. L'un d'eux était parvenu récemment à ouvrir les portes d'un temple confucianiste pour les membres de sa communauté, ce qui avait attiré la colère des riverains. La police recherche les meurtriers et n'exclut pas un règlement de compte entre factions asiatiques. Donc le tout à Berlin, je précise. D'accord. Voilà, et puis... D'ailleurs, oui. L'un d'entre vous peut me faire un jet d'intuition. Entre nous... Ouais, n'importe. Choisissez. Le plus rapide. Ouais. Bon bah allez. Allez vas-y. Oh, c'est bien, c'est beau. Tu te dis que il y a 3 jours, par rapport à tout comment ça s'est goupillé, organisé, si effectivement le théâtre des ombres, ça a bien été une attaque finalement et pas un accident, la veille, il doit forcément passer par Berlin sur la voie de chemin de fer.
c'est complètement crédible que ça soit Saifong Li qui ait fait ce genre de choses. Oui. L'article que vous mentionnez me fait penser que Saifong Li est dans le coup. Encore une fois, peut-être que ces hommes étaient dans le même groupe que ceux que nous avons vus dans les sous-sols. C'est possible, mais enfin, en tout cas, on a failli se faire avoir par une patrouille. Et Francis a eu la vivacité de regarder à travers la locomotive au moment où on s'est caché pour les esquiver, et il a découvert que j'ai perdu son nom. Liu Chen était à l'intérieur captive, oui. Et pour l'article, si on a... Enfin, le lien, c'est qu'il y avait justement un journal ouvert sur une table avec ce fameux article entouré. D'accord. Et cet article est lié à Stuart Tanner, c'est ça ? Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est Stuart Tanner qui parlait de ça. Oui. D'accord. Donc je pense qu'il doit avoir des liens avec ce qui s'est passé à Berlin, mais Saifong Li également. Hein. Je pense que les Asiatiques ont été décédés. Ça devait être une couverture ou quelque chose comme ça. Star Tenor n'est pas quelqu'un qui a un fort accent anglais et le crâne rasé ou chauve, non ? Non. Non, on est d'accord. Je regardais dans les JPNJ, mais... C'était pour, c'était pour les autres. Une question MJ, hein, c'était pas une question. Oh. Hein. Ah oui, ok. Mais j'avais un petit doute, le voyais, mais je retrouvais plus l'autre personnage, mais il était plus haut, en fait. Ouais. Autant pour moi. On a aussi trouvé un journal de M. Lonsdale quand on s'est rendu chez lui. Mm-hmm. Assez édifiant, et je crois que c'est Mademoiselle Faure ou Monsieur Renault qui a quel journal avec lui ou avec elle, je sais plus, et je les regarde du coup. Je sais que c'est pas moi qui l'ai pris, mais je crois que c'est Mademoiselle Faure qui l'a pris. Oui, ah. Toi qui l'avais lu dans la voiture, ouais. Effectivement. Pour le coup, je sors le journal et le consulter. Je pense qu'il serait bon que Francis et Henri en prennent connaissance. Je le leur tends. Hein. Ok. En tout cas, vu ce qui est écrit dedans, ça a l'air de corroborer avec pourquoi il a l'air de les suivre aussi docilement. Oui. Oui, ils ont. Ils ont une impression sur lui. Si vous allez dans le. Au pire des cas, hein, si vous allez dans le bistrot général, dans le Discord de l'appel de Cthulhu, je l'ai mis, ça s'appelle Journal de Louis Lonsdale un petit peu plus haut, au-dessus du gif de Denis Brognard. Voilà. Il est là en PDF si vous le cherchez en physique, il ressemble à ça le journal. Quoi. Je peux pas le mettre parce que c'est un PDF et il accepte pas les PDF sur Let's Roll. Ouais, ouais. Mais bon, vu que je l'avais lu dans la dernière séance, hein, CF, l'autre épisode. Et tu tends en fait le journal, vous commencez à le regarder un petit peu. Et pendant la lecture, vers à peu près le milieu de la lecture... vous entendez ça. D'accord. Et vous levez la tête un petit peu, vous êtes un peu concentré sur ce qui se passe réellement autour de vous et tout, et vous voyez que la plupart des gens commencent à regarder en fait vers l'extérieur de la gare, et d'ailleurs je précise, il commence à faire de plus en plus nuit, hein, là il doit être aux alentours de 21h un petit peu, à peu près, et du coup les gens applaudissent, et pendant l'applaudissement, faites-moi tous un jet de trouver objet caché, s'il vous plaît. Oh, Henri, toujours sur ses réussites critiques. Je pense que ça sera Henri. Même si Francis a un bon jeu aussi.
J'ai tout donné. Ok. Henri, tu vois, et toi, Francis, quelques secondes juste après, vous voyez de la ruelle qui est de là où vous empruntez en fait pour aller vers le pavillon chinois, vous voyez une jeune femme qui court en regardant derrière elle. Elle a l'air complètement paniquée. Vous remarquez que cette jeune femme, c'est Mei Fang. Qui court, elle manque de vous bousculer et elle tombe dans tes bras, Henri, et elle est complètement en larmes et elle est complètement paniquée et puis elle dit ils ont voulu me tuer, les Saïd, ils ont voulu me tuer. Et elle regarde tout autour, elle a l'air complètement déboussolée, elle a peur de n'importe quelle personne qui passe à côté d'elle, elle se met vraiment à l'abri dans votre groupe, etc. Bon, on peut se mettre autour. Ouais, je dis vite, allons dans un endroit plus sécurisé. On est en sécurité nulle part ici, ils sont partout. J'ai réussi à m'échapper, ils ont préféré voler les antiquités qu'il y avait dans le pavillon. Et elle continue à pleurer. Elle fait, je vous en supplie, me laissez pas toute seule. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous allons vous protéger tant bien que mal, mais ils ne vous approcheront pas. Et la nuit descend sur Paris. Vous voyez dans les quartiers aux alentours que les rideaux de fer des commerces commencent à se fermer, tandis que les divers restaurants et gargotes avoisinants commencent un petit peu à servir les repas aux personnes qui sont sur place, etc. Et suspendu au-dessus de la gare de l'Est, un gigantesque cerf-volant montre le bout de son nez. Ouh. Oui. Oui, crée tête de dragon. On le voit bien sur le stream, c'est bon. Ouais. Ouais. Et donc au-dessus de la gare de l'Est, donc ce fameux gigantesque cerf-volant qui est du coup offert par la délégation manchou qui flotte dans le ciel parisien. Vous voyez les yeux vides de la créature du folklore chinois qui scrute la lune montante. Et quelques instants plus tard, vous voyez la lune qui s'élève dans la nuit, projetant l'ombre en fait du cerf-volant sur un immeuble voisin. Aucun souffle de vent ne fait bouger le cerf-volant et pourtant son ombre est en train de s'animer sur les murs. Mei Fang pointe l'ombre du doigt sans rien dire. Et quelques instants plus tard, vous regardez tous dans la direction que Mei Fang est en train de montrer et vous voyez sur le bâtiment quelque chose qui vous glace le sang. Vous allez tous me faire un jet de pouvoir, s'il vous plaît. Ah. Pense bien. Allez. Alors. Oh mon dieu. Nora. Pas ah mal. Oui, d'accord, ça va être ça, je suis beau. Ouais, pouvoir. C'est ça. Yes. Ok, alors, tous ceux qui ont fait une réussite, est-ce que vous pouvez me dire critique ou pas, ça, pour le coup, ça change pas grand-chose. Qui c'est qui a fait une réussite? Nora, j'ai vu. Ok. Attends, moi, Francis. Francis. Oui, aussi. Henri. Ok, et Henri. Et quant aux autres... Dommage. Adieu. Quant aux autres, dommage pour vous. Non, justement, c'est moins que ce que j'aurais aimé, mais tant pis. En tout cas, sur le bâtiment avoisinant, l'ombre est en train de se dresser et vous la voyez commencer à se mouvoir sur le bâtiment. Alors que le cerf-volant lui-même ne bouge absolument pas d'un poil. Et vous voyez ceci sur le mur. Oui, c'est même pas la bonne forme d'ombre en plus. Il n'y a rien à voir. Mais qu'est-ce que c'est ? Vous voyez l'ombre. Hein. Vous voyez l'ombre glisser le long du mur et commencer à se retrouver sur le sol.
et elle commence à glisser sur le sol en se dirigeant justement vers la gare de l'Est. Qu'est-ce que vous faites ? Donc vers nous, du coup, vu qu'on est à l'entrée. Mm-hmm. Les gars. Ça. Ouais. Ouais. Ça recommence. Il faut qu'on s'en aille. C'est ce genre d'homme qui nous a attaqué tout à l'heure. Il faut pas rester à côté. Et je prends le bras de Mei Fang et je commence à... Allons dans les sous-sols. Les sous-sols, je sais pas, il y a des rondes des hommes de Sai Fongli, je sais pas, les bureaux dans lesquels on a eu rendez-vous avec... N'importe, allons-y quelque part ailleurs. Allez-y Francis, ouvre la marche. Ouais, ok, bon on va plutôt... Donc les bureaux, on est rendez-vous avec Albert, il y en avait plusieurs ou il y en avait des vides ? Il y en avait des vides, mais après ils ont tous une verrière et ils ont tous une vue sur, un petit peu tout quoi, c'est des aquariums les trucs. Ah. Ok. Nora, quand toi tu cherches justement un endroit pour voir à droite à gauche, tu remarques un petit peu au loin, dans une ruelle, un groupe de Chinois. Et tu reconnais à l'intérieur de ce groupe de Chinois, donc les gens que vous avez vus dans les sous-sols, et aussi Guangying, qui sont un petit peu cachés dans une ruelle, mais pour le coup, toi, tu les as vus. Ouais. Je dis aux autres, là, il y a Guangying et son groupe, venez, et j'essaie de les emmener vers... Et au moment où vous emboîtez le pas de Nora pour vous diriger vers le groupe, vous voyez l'ombre qui rentre dans la gare de l'Est, qui reste stagnante en fait dans la gare pendant une fraction de seconde, et elle se dirige sur justement le groupe de Guangying. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je l'appelle, je crie Guangying, Guangying. Et je monte le ciel, je lui montre la direction où était l'ombre. Attention à vous ! Et j'essaie de la tirer comme ça. Très bien. Vous voyez Guangying qui vous a vu, du coup, pour le coup. Et il vous regarde, il regarde l'ombre, et en fait, c'est légèrement trop tard pour un d'entre eux, en tout cas, un du groupe. Et vous le voyez tomber à genoux, la nuque en arrière. Un filet de bave qui commence à s'écouler le long de ses lèvres, les yeux complètement exorbités, comme s'il n'arrivait plus à respirer. Et il s'écroule au sol, et Guangying, tenant une lampe torche, commence à l'allumer. Et l'ombre, elle se disloque un petit peu, et elle repart en arrière. Et Guangying commence à se déplacer de votre côté. Il y a une quinzaine, vingtaine de mètres à peu près, le temps qu'il vous rejoigne. Et Monsieur Renault, allumez votre briquet, s'il vous plaît. J'allume le mien également. Ok. Vous voyez, ils sont en train de courir vers vous, hein, clairement. Donc ils sont 5 à courir vers vous. Et, nous aussi, on se dirige vers eux. Ouais. Vous allez à votre rencontre ? Ok, très bien. Oui, on va vers eux. Ok, donc vous n'êtes pas à couvert, il n'y a aucun endroit pour être à couvert, hein. Vous allez vraiment vous rencontrer le long d'une façade de bâtiment. Voilà, vu que vous êtes, vous savez, au niveau de l'entrée principale de la gare de l'Est, tous les chemins passent par là, ou alors sinon c'est vers la gare de train. Vous vous rejoignez du coup, et toi tu vois, Francis, tu vois l'homme que vous avez poursuivi tout à l'heure, Stuart Tanner, qui est seul avec sa petite mallette dans les bras, qui panique complètement. Et au moment où tu vois ça, tu regardes au sol et tu vois l'ombre qui fonce sur Stuart Tanner. Et Stuart Tanner qui commence à courir, il trébuche, il tombe, il commence à ramper, et l'ombre se jette sur lui. Et pareil, il pousse un hurlement de douleur et tombe au sol, inanimé. Guangying arrive à vous rejoindre, qu'est-ce que vous faites ? Guangying, des murs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mettez-vous à l'abri ! Mettez-vous à l'abri ! Et du coup, le groupe commence à se diriger en fait vers l'entrée principale de la gare de l'Est. Ok, on le suit. Hein. Ok. Vous commencez à les suivre, et après que l'ombre se soit attaquée à Stuart Tanner, elle se retourne dans votre direction et vous fonce dessus.
Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de me mettre vers l'arrière avec mon briquet à la main, hein, pour ce que ça sert, on va dire. Et en gros, je ferme la marche, grosso modo. Ok. Et au moment où tu fais ça, avec ton briquet, juste, tu vois, enfin, alors toi, tu vois pas, mais les autres, vous voyez qu'il y a un des hommes que vous avez rencontré dans le sous-sol qui prend de force la torche de Guangying et il te prend par le col, en fait, il te tire en arrière et il vous fait. Ouais. Courez! Courez à l'intérieur! Et pouf, il allume la torche en direction. Tu fais quoi? Bah, je m'exécute, hein. J'y vais, je cours. Tu commences à courir et tu vois l'ombre qui est à littéralement 50 cm de toi. Et l'éclairage de la lune fait en sorte que l'autre ombre vient par-dessus la tienne, donc celle de l'homme, le chinois. Et l'ombre menaçante, du coup, se jette sur l'ombre du chinois, et le chinois qui a juste le temps d'allumer la torche, mais malheureusement c'est trop tard, et tu vois en fait tomber vraiment comme un sac de pommes de terre, quoi. Ça, vraiment, ça fait, il tombe en arrière, il n'y a rien qui l'amortit ou quoi que ce soit, il tape la tête contre le sol, la lampe torche tombe et dévale les escaliers les unes après les autres, et Guangying vient pour fermer le couloir, il met les mains devant lui. Et vous voyez un flash lumineux qui apparaît juste devant lui. Vous savez pas d'où ça vient. Il n'avait pas d'autres lampes torches ou quoi que ce soit. Vous savez pas vraiment ce qu'il en est. Mmh. Et vous voyez vraiment pendant une fraction de seconde, vous voyez un éclair blanc, quoi. Enfin, y a rien. Vous avez un flash devant les yeux pendant une fraction de seconde. Et il vous faut bien une à deux secondes avant de retrouver vraiment la vue. Donc vous êtes arrêté en plein milieu du couloir avec donc les trois autres hommes chinois. Qu'est-ce que vous faites? Ça a eu quel effet sur l'ombre, son flash? Bah, pour le moment, vous savez pas vraiment, parce que vraiment, tu sais, tu clignes des yeux, ça te brûle les yeux, tu sais pas, t'as D'accord. l'impression d'avoir pris une flashbang, hein, en gros, hein, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Bah, on continue à fuir, du coup. Oui, continuons. Okay. Le cerf-volant, peut-être. Il faut peut-être trouver le cerf-volant, et l'ombre est sortie du cerf-volant. Toi, tu remarques, ouais, vous dites. En disant ça, tu as remarqué en fait que le cerf-volant était accroché sur le toit de la gare. On monte. Toi, Francis, tu sais comment accéder au toit, vu que tu connais les lieux. Ok, je connais l'accès au toit, suivez-moi. Ouais, je vous la marche. Okay. Et vous voyez toujours Guangying qui, enfin, vous laissez Guangying, les trois Chinois vous laissent, en fait, ils sont derrière Guangying, ils savent pas trop quoi faire et ils veulent le protéger, en même temps, ils ont l'impression qu'il s'en sort, donc voilà. Et vous commencez à monter sur le toit. Faites-moi tous un jet, s'il vous plaît, de constitution. Ok. Francis, t'as pas l'habitude de ce genre de course, et Louise, le coup que tu as pris, et Nora, pareil, vu que vous êtes ceux qui ont pris un coup, finalement, vous avez du mal à suivre la cadence, mais voilà, vous êtes un petit peu laissé à la traîne, et pour les deux autres, vous arrivez en haut, et effectivement, vous voyez une grosse corde accrochée à un anneau sur le toit, c'est un toit plat, hein, je précise, qui tient le cerf-volant. C'est une corde qui fait bien son 2 cm, 2 cm et demi de diamètre. Hein. C'est une grosse corde en chanvre. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un a un couteau? Vous entendez des hurlements, en fait, ouais. Dans la gare. Vraiment des hurlements de peur. Il y en a certains qui vous entendez même que ça hurle « Appelez la police! Appelez les secours !» J'ai un couteau suisse, moi. Essayer de brûler la corde avec un briquet. Oui, commence à couper, je vais essayer de brûler la corde. Ok. Ouais, okay. Je joins avec mon briquet, on sait jamais. Ouais, ok. Vous êtes donc... vous êtes tous sur le toit, vous commencez à faire brûler la corde. Toi, Francis, avec le couteau, t'arrives à couper la corde qui commence à brûler, donc ça le coupe de plus en plus vite. Et quand vous arrivez à peu près à la moitié de la corde, donc il reste Nora et Louise, c'est ça qui font pas le truc sur la corde?
J'avais pris la main de Mayfong. Pas équipé, donc. Ouais. Oh, oui, d'ailleurs, Mayfong vous a accompagné, hein, je précise. Mais elle a tellement peur, elle est tétanisée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle t'a ralenti dans les escaliers. Et du coup, vous regardez un petit peu en contrebas quand il y a des hurlements. Et vous remarquez que Guangying est au sol. Et vous voyez, de sur le toit, en fait, vous voyez un petit peu les voies de chemin de fer. Et dans la lumière de la lune, vous voyez les Saïds qui sont sur le quai. Vous voyez Louis Lonsdale qui est à genoux, qui se tient la tête. Et vous voyez aussi Seifongli debout. Vous avez l'impression qu'il vous regarde. Vous savez pas si c'est une impression, quelque chose comme ça. Mais il a un sourire aux lèvres, ça se voit jusqu'ici. Il prend Louis Lonsdale, il le soulève, et en fait, vous deux, vous remarquez quelque chose d'assez bizarre. Vous voyez une plus petite ombre qui commence à glisser vers les quais, tandis que l'autre... De qui ? Bah, vous savez pas vraiment, mais vous voyez une autre... Quand je dis vous deux, c'est qui ? Ah oui, Nora et Nora et Héloïse, parce que vous êtes en train de vous occuper de la commande. Voilà. C'est ça. Et vous voyez que vous voyez l'ombre, la grande ombre cette fois, l'ombre menaçante, qui se met à la poursuite de la plus petite ombre. Faites-moi tous les trois un jet de force pour voir si vous réussissez à la couper. Allez. Et... Ok. Très bien. Et du coup, Francis, voilà, tu tires d'un côté pour essayer de faire lâcher pendant que Francis est en train de couper la corde. Alfred, tu tires, vous y arrivez pas et tout. Et à un moment, la corde cède. Le cerf-volant commence à dériver de la lune, en fait, de l'axe de la lune. Et la dernière chose que vous voyez pour Nora et Héloïse, c'est cette fameuse ombre qui essaie de rattraper l'ombre principale. Et il y a une chose complètement ubuesque que vous voyez. C'est Louis Lonsdale, la chemise complètement ouverte. Vous voyez comme une lueur violacée noire qui sort du torse de Louis Lonsdale. Et vous voyez littéralement la petite ombre qui se jette à l'intérieur du torse de Louis Lonsdale, suivie tout de suite après de cette fameuse ombre gigantesque et menaçante sur Paris, qui se jette à l'intérieur du corps de Louis Lonsdale, et vous voyez Louis Lonsdale qui s'écroule au sol. Quelques secondes plus tard, vous voyez quelques Saïds prendre Louis Lonsdale et le traîner, vraiment comme un corps mort hein, pour le coup, vous le traînez à l'intérieur du train, et vous voyez les Saïds qui rentrent, et le train qui commence tout doucement à partir. Qu'est-ce que vous faites ? Donc la corde est lâchée, le cerf-volant s'envole. Vous voyez d'ailleurs qu'il va certainement se crasher en fait quelques dizaines de mètres plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon, l'ombre a disparu ? Elle est rentrée dans le corps du vieux Lonsdale. Quoi ? Ils sont en train de partir, qu'est-ce qu'on fait ? Si on rate le train, peut-être qu'on les reverra jamais. Ils sont en train de partir. Je commence à regarder au-dessus de la balustrade. Ouais, je vois aussi. Vous voyez le train qui commence tout doucement à prendre de la vitesse et sortir de la gare. Est-ce qu'on, vous croyez qu'on aura le temps de l'attraper ? Bon, allons-y. Trop tard pour l'arrêter, en tout cas. Non, mais... Clairement pas. Vous pouvez pas rattraper le train de là où vous êtes. Impossible. Ah, ok. Faut redescendre les escaliers, traverser toute la gare... le temps là, il sera déjà parti. Quel plus éloigné en plus. On peut pas utiliser le cerf-volant comme pare-voile. Non, peut-être pas, non. Essayez, fais-moi un jet de chance. je vais pas le tenter. Connaissez l'hydrolienne. Je vais utiliser mon aplomb pour réussir à coup sûr mon jet. Ah bah. Et me poser sur le toit comme une déesse. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Allons voir peut-être... Mais c'est trop tard pour le train. Allons voir comment va Guangying. Oui, il était parti tout à l'heure. Allons-y. Ouais, on peut déjà commencer par ça. Et le train, vous entendez
le son de la fumée blanche, enfin le son de la fumée qui s'évacue de la cheminée de donc du train de Seifongli. Vous entendez un grincement métallique des roues qui commencent à accélérer sur la voie ferrée. Et vous voyez au loin le train de Seifongli partir. Quand vous arrivez en bas, vous voyez qu'il y a Ryuru qui est auprès de Guangying. Il y a trois autres hommes, donc les hommes qui faisaient partie donc, dans le sous-sol, et ils sont à son chevet. Et vous voyez Ryuru qui est en larmes, qui tient Guangying. Et vous voyez une autre personne qui arrive du fond de la gare, pistolet à la main, c'est Georges Guédon. Et du coup il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit des gens au sol, il comprend pas ce qui se passe, et il part dans une direction opposée d'où vous êtes, comme pour aller aider potentiellement quelqu'un d'autre. Vous savez pas trop, vous voyez pas dans la rue ce qui se passe, et du coup vous arrivez auprès de Ryuru et de Guangying, et Ryuru qui dit Nous devons aller à la maison de mon maître. Il possède des remèdes là-haut. Oh, il faut qu'on l'amène là-haut. Et il fait un signe à un des Chinois qui commence à partir. Qu'est-ce que vous faites? Héloïse, est-ce qu'on peut retourner chez Guanine? Oh, ben, totalement. Allons-y, mettons-le dans la voiture. Non, il va chercher une fourgonnette. Il est parti chercher la fourgonnette. D'accord. On peut préciser à Ryuru et au groupe aussi que... Enfin, je précise que Seifongli est en train de se barrer. Tant pis. Guangying est trop important. Qui c'est qui a un peu de médecine sur vous, là? Je crois qu'il n'y a que... Ouais. Et Héloïse, je crois. Moi, je fais le premier soin. Le premier soin, pas médecine. Ouais, pas médecine non plus, en fait. Ok. Et en fait, voyant l'état de Guangying, vous regardez un petit peu, il respire tout doucement. Par contre, vous remarquez un truc. C'est qu'il n'a plus d'ombre. Vous avez vu, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, Ryu ? Je sais pas, il y a eu un flash, et quelques secondes plus tard, il est tombé au sol, et... je sais pas, je me suis caché, et il est tombé au sol, et j'ai pas vu ce qui se passait d'autre. Il a déjà fait ça, ou... Il a quelques talents, mais... Et là, vous voyez la fourgonnette qui arrive, qui se gare juste à côté. Et un des Chinois ouvre la porte et fait « Venez, mettez-le dedans !» Ouais, on s'exécute, on porte. Ok, vous commencez à mettre donc Guangying à l'intérieur. Vous voyez que les deux autres Chinois commencent à prendre un de leurs amis, qui est tombé aussi, qui le mettent à l'intérieur. Et Ryuru qui, toi, te demande, Nora, de l'accompagner pour prendre l'autre, le troisième. Bah je le suis. Très bien. Vous êtes en train de charger donc les trois personnes à l'intérieur de la fourgonnette. Et Nora, au moment où tu fermes la porte pour rejoindre en fait à l'avant, parce qu'il n'y a plus de place à l'arrière, donc vous êtes tous à l'arrière hein, de la camionnette. Un sacré paquet. Voilà, Nora, tu vois qu'il n'y a plus de place, donc tu essaies de contourner. Et tu vois Georges Guédon. Au moment où tu fermes la porte, tu te retournes, tu vois Georges Guédon, il fait que faites-vous? Je devrais vous coffrer pour ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt moyennement surpris de ce qui se passe. Vous allez devoir répondre à mes questions en temps et en heure. Et attends, moi je suis dans la fourgonnette ou je suis dehors? Non, t'es dehors, t'es encore dehors. Je le regarde et je fais... On en reparle plus tard, monsieur Guédon. C'est... Hors de question, je viens avec vous. Et vous allez m'expliquer tout de suite. Et du coup, il rentre dans la camionnette avec toi. Donc, je sais pas, il y a trois places à l'avant. Donc, il y a le conducteur, Nora et Georges Guédon. Et du coup, vous êtes tous les trois à l'avant. Et il fait, vous allez m'expliquer. Et le Chinois dit, c'est qui lui? Je me prends la tête un peu dans les mains. Je fais,
C'est un inspecteur de police, un commissaire de police. On s'en fout, on n'a pas le temps. Et ouais. Du coup, il fait crisser les pneus et il démarre à toute blinde. Et Georges Guédon te regarde vraiment l'air... qu'est-ce qui se passe, en fait? Et il dit rien, il te regarde, tu sens son regard peser sur toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de le regarder le plus calmement possible pour pas envenimer le la tension entre guillemets. Je vais Monsieur Guédon, je vous promets, je vais vous expliquer ça, mais pour l'instant, on doit vite retourner chez Monsieur Guangling. Guangling, il est blessé et tout ce qui s'est passé à la gare dépasse clairement le pouvoir des forces de police. J'en ai bien peur. Non, mais vous avez des blessés à l'arrière. Il y a un hôpital à 5 minutes d'ici. Et du coup, le conducteur dit « Non, votre médecine ne peut pas rien faire pour ce genre de choses. Il n'est pas blessé physiquement. C'est son âme qui est en train de mourir. Aucun médicament ou opération que vous puissiez faire pourrait améliorer cela. Je vous en supplie, laissez-nous faire. Et on répondra à toutes vos questions. Mais laissez-nous faire. » Et je le regarde vraiment droit dans les yeux, moi, Georges Guédon, et je lui fais, je vous en prie, monsieur Guédon, faites leur confiance. Et Guédon, il regarde à gauche, il regarde à droite, vous voyez que vous vous éloignez en fait de la gare de l'Est, et la dernière chose que vous voyez avant de prendre une ruelle, c'est du coup le grand cerf-volant qui vient se coucher sur les toits de Paris. Et du coup, dans la camionnette, il y a un visu entre l'habitacle et l'arrière ou oui, il y a une petite fenêtre. Et d'ailleurs, justement, j'allais venir. Vous, à l'intérieur de la fourgonnette, la dernière chose qui s'est passée, c'est le crissement de pneus d'accélération. Vous êtes un petit peu projeté et déséquilibré. Et vous voyez Ryuru qui est à genoux, en fait. La tête de Guangying sur ses genoux, en train de lui maintenir la tête. Et vous le voyez en larmes, disant « S'il vous plaît, Guangying, ne nous quittez pas. Je vous en supplie. Tenez encore le coup. » Qu'est-ce que vous faites? Je commence à regarder si je peux pas faire quelque chose. Ouais, tu peux me faire un jet de médecine. Mes petites connaissances. Ouais, tu peux me faire un jet de médecine si tu veux. Ah, de médecine? Bon, ça va être compliqué. Après, il y a l'aplomb. Non. Très bien. Non, en fait, tu comprends pas parce qu'il y a aucune blessure apparente. Ça serait une coupure. Tu cherches du sang, en fait. Tu cherches du sang, tu cherches. Ouais, Et non, tu comprends pas. Mais par contre, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, et je vais te prendre à part pour ça. Quand tu te rappelles que cette ombre a disparu, et en fait, il y a une chose qui te revient assez rapidement en tête, c'est la douleur que tu avais ressentie, toi, au moment où une ombre, justement, dans une certaine maison, t'avait griffé. Le fait de perdre cette petite partie d'ombre te fait encore mal aujourd'hui. Donc, perdre l'intégralité de son ombre, tu n'imagines même pas la douleur que ça pourrait représenter, en fait. Et je nous remonte. Et du coup, vous voyez Alfred un petit peu désemparé, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien, et il face pendant une petite seconde en le regardant, et vous sentez dans la camionnette que ça tourne, et vous entendez aussi que ça... C'est pas que ça crie, mais ça parle très fort à l'avant, et il y a une voix en plus, et vous savez pas trop vraiment qui c'est cette voix, pour le moment. Donc celle de Guédon. Hein. Oui. Et moi, il y a les hommes de. Enfin, un des cinq hommes qui est avec nous. Oui. Aussi. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour votre maître? Pour notre maître, peut-être. Pour nos deux autres compagnons, c'est déjà trop tard. Et tu vois qu'il avait, il avait la main pour essayer de capter un pouls, quelque chose comme ça. Il vient de périr. Notre maître a peut-être des choses chez lui. On va aller chez lui, et s'il arrive à reprendre connaissance et qu'il peut nous aider,
On essaiera de trouver une solution, mais... et du coup, Ryuru se tourne vers lui et dit « Non, on n'essaiera pas, on le fera !» et du coup, il se reconcentre sur Guangying. Vous voyez qu'il transpire beaucoup. Guangying, sa respiration est vraiment très lente et très... très dur, quoi. Enfin, il a beaucoup de mal à respirer. Est-ce que vous faites quoi que ce soit d'autre, l'un comme l'autre, hein, pour Nora de l'autre côté? Moi, je réconforte Ryu un petit peu. Je lui réponds en mandarin que on va trouver une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Si rien d'autre n'est fait, il va y avoir un silence assez pesant dans la camionnette, enfin dans la fourgonnette, pardon. Et vous entendez le fameux bruit caractéristique d'un freinage, un coup de frein à main qui stoppe net la voiture et les deux portes à l'avant qui s'ouvrent. Donc Nora, tu vois Guédon qui sort et qui regarde un petit peu le quartier pour essayer de voir où il se trouve. Le conducteur vient à l'arrière, ouvre les deux portes de la fourgonnette à l'arrière. Vous voyez que vous êtes donc dans le quartier chinois, là où il y avait du coup le Théâtre des Ombres, vous reconnaissez le lieu parce que c'est le Chinatown de Paris, et vous êtes donc dans ce truc là et Ryuru regarde ses amis et puis dit allez, on l'emmène à l'intérieur. Et ils commencent à porter tous les trois Guangying à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Je les suis, hein, perso. Ok, vous les suivez, en fait, et vous voyez Georges Guédon, en fait, à ce moment-là, qui vous regarde, il fait « Vous êtes là aussi, vous ?» Oui, et vous? Il est monté à mon insu. Très bien, mais ça fera un allié de plus. Il est blessé, votre ami? Oui. Pas physiquement, mais... Et il regarde à l'intérieur de la camionnette, il voit les deux autres hommes qui, du coup, personne ne les aide parce que ben, c'est déjà trop tard. Et il baisse la tête, il fait « Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ?» Et du coup, les Chinois ouvrent la porte donc de la maison et accèdent à l'intérieur. Vous les voyez disparaître à l'intérieur, donc pour le moment vous êtes encore dans la rue, mais pendant quelques secondes vous les voyez plus, ils sont à l'intérieur de la maison. Allons à l'intérieur, on va vous expliquer. Vous aurez besoin, je pense, de vous asseoir. Oui, on a un petit verre aussi. Et d'abord, un bon verre. Vous êtes tout tremblant, hein, vraiment... Ça a été tellement la panique, la course, il s'est passé tellement de choses incompréhensibles que vraiment, là, maintenant que ça est en train de redescendre un petit peu la tension, que vous êtes plus dans l'action pure, vous sentez que toi, à un moment, t'essayes de prendre, t'es de fermer la porte et tu vois ta main qui a du mal à serrer la clenche. Pour les autres, quand vous commencez à marcher, tu sens ton genou qui commence à flageller, en fait. Henri, tu te rappelles de cette sensation-là quand tu étais sur le front et tu n'aurais jamais pensé pouvoir revivre ce genre de stress à ce moment-là. Et vous êtes tous un petit peu paniqués. Et vous commencez à rentrer donc, dans la maison de Guangying. Et vous voyez Guangying au sol, sur un tapis, dans la pièce de vie. Et pendant que les autres sont en train de mettre des bougies partout pour éclairer au maximum en fait, la pièce, pour éviter qu'une autre ombre viennent ou quoi que ce soit pour être à l'abri et du coup ils éclairent vraiment au maximum tous les lieux etc. Ce que vous faites et vous voyez que Ryuru pose la tête sur un coussin de Guangying et vous entendez toujours cette respiration lancinante de Guangying. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Je sais pas, je ne sais même pas quelle fiole prendre ou quoi que ce soit, seul Guangying le sait, j'espère qu'il va pouvoir parler et nous aider. Guangying, s'il vous plaît, dites-nous ce qu'on doit faire. Et vous entendez toujours cette respiration son front qui perle de sueur. Il a peut-être noté des choses quelque part, non?
Je sais pas, allez voir peut-être dans la boutique. Et toi, t'es déjà passé dans la boutique de Guangying, donc tu sais. J'y vais, je vais fouiller. Ok, fais-moi un trou d'objets cachés. On sera pas trop de deux. Ouais, okay. Oui, venez, Francis. Et faites-moi tous les deux un jet de trouver objet caché. Ok. Bien. Vous retournez vraiment les tiroirs, les trucs, vous cherchez un carnet ou quelque chose comme ça qui aurait pu annoter des trucs. Vous voyez que dans la boutique, il n'y a que des manifestes de vente. Toi, tu regardes, bon, les derniers objets vendus, c'est pas ça qui va faire une tasse en porcelaine, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Tu commences à regarder un petit peu dans les étals. Tu vois que c'est déjà tout écrit en mandarin. Donc toi, Francis, t'es un petit peu paumé, tu demandes en fait à Alfred de traduire, et tu vois que c'est un pot d'épices. Voilà, vous cherchez un petit peu, et tu vous êtes persuadé d'une chose, c'est que s'il y avait quelque chose à cet endroit-là, vous l'auriez trouvé, mais malheureusement, vous ne trouvez absolument rien dans la partie de boutique. Ça vous met bien 10 minutes. Hein. Okay. Pendant ce temps-là, les autres, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais prendre Georges Guédon à part en lui proposant de s'asseoir dans la cuisine. Mmh. Oui, j'essaie de trouver un truc à boire. Ouais, je te laisse. Un truc comme ça. Je te laisse lui servir un verre et tu sais même où se trouvent les alcools parce que la première fois que vous êtes passé chez Guangying, c'est toi qui avais, je crois, pris l'alcool. Donc tu sais où est-ce qu'il avait rangé son truc. Donc tu récupères, t'as Guédon, il fait non, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin d'explications. Dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Vous allez en avoir besoin. Je le pose là à côté. Et il te regarde l'interroger, il fait bon, fini de divaguer, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, est-ce que vous avez vu ce qui est sorti de ce cerf-volant tout à l'heure? Cerf-volant? Non, j'ai juste vu des gens s'écrouler au sol, comme s'ils faisaient un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, et... Non, il y avait quoi, un poison qui est sorti de ce cerf-volant ? Non, rien à voir. C'est beaucoup plus compliqué et plus farfelu que ça. Les gens que vous voyez, qu'on essaye de sauver, nous ont expliqué que nous avons un... ni plus ni moins à faire à une sorte de magie noire, de sorcellerie, appelez ça comme vous voulez, mais c'est bien réel. Et je regarde du coup Henri et je fais « Monsieur Moreau et moi-même, nous ne sommes pas ivres, fous, drogués, nous sommes en pleine possession de nos moyens et on l'a vu comme on vous voit là, à l'heure actuelle. » Attendez, vous voulez dire que le surnom du sorcier donc de Saifongli ne serait pas usurpé, qu'il serait vraiment sorcier, c'est ce que vous êtes vraiment en train de me dire? Oui. Et Monsieur Guédon, vous pensez vraiment que je perdrais ma soirée à vous inventer une histoire rocambolesque? Non, juste pour vous faire une farce. Mais le stress, ce que vous avez vécu, la mort de ces deux, peut-être trois personnes, mais bon, vous avez l'impression de dire là tous les deux la même chose, donc... Je soulève le haut de ma robe au niveau de mon mollet, en fait. Mm-hmm. Et je lui montre, en fait, la marque que ça m'a laissée quand l'ombre m'a grippé un peu plus tôt ouais. Dans la soirée. C'est quoi? C'est une brûlure? Non, c'est une ombre qui m'a attrapé la jambe un peu plus tôt. Dans cette même maison, avant de revenir à la gare. Ryuru vient rajouter à ça, parce que vous êtes dans la... Enfin, en gros, c'est une pièce de vie, donc il y a la cuisine qui est reliée à la pièce de vie. Hein. Et du coup, il fait... Monsieur Guédon, venez, ça sera... Vous verrez. Et Guédon se lève, interloqué, il se dirige, mais toujours en te gardant à l'œil, Nora et du coup, Henri. Ouais, moi j'emporte un verre aussi au passage. Puis je lui précise aussi, pendant qu'on se déplace, je lui dis, croyez-moi que ce n'était que quelques personnes décédées,
ça ne me toucherait pas autant que ça. J'ai fait la guerre après tout, j'en ai vu des morts. Mais non, on est bien loin de tout ça. Et Ryuru prend une des chandelles en fait, qui est sur la table. En fait, il la passe au-dessus de Guangying en lui tendant le bras. Et Ryuru fait, vous voyez, son ombre a complètement disparu. Elle est partie à l'intérieur de Monsieur Lonsdale. Et vous entendez la respiration. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous revenez donc de la boutique. Et pendant ce temps-là, est-ce que quelqu'un d'autre faisait quelque chose en parallèle ou pas du tout? Moi, je ferais juste mon assistance à Ryuru en essuyant le front de. Ok. De Guanyin ou en faisant des choses. Enfin, ce que je peux. Ouais. Ok. Tu vois que effectivement, toi, quand tu le manipules, tu vois vraiment que son ombre a complètement disparu. Quoi. C'est à chaque fois, ça te fait bizarre. Ça te glace le sang. Mais voilà, tu lui nettoies le visage. Tu vois que il est en train de vraiment de pâlir, comme s'il allait vraiment décéder. Quoi. Hein. Et à un moment, il cligne des yeux. Il ouvre les yeux. Et du coup, il vous voit tous autour et il fait « Soyez remerciés de votre aide contre Seifongli. Mais même si nous avons échoué à sauver Liu Chen, nous avons repoussé l'ombre de l'esprit affamé qui planait sur Paris. » Je précise que Meifeng n'est plus avec vous. Hein. Elle n'est pas rentrée dans la camionnette avec vous. Ok. Ah. Le sorcier Manchu a réussi à capturer Liu Chen. Elle est la petite fille d'un maître tatoueur chinois appelé Agai Chen, sur lequel il peut désormais exercer un chantage. L'unique raison de ce chantage serait d'avoir besoin de tatouer son propre dos. Sachez que le plus puissant des tatouages magiques doit être dessiné sur son porteur, et plus précisément dans son dos. C'est le tatouage suprême des rançonneurs de droit divin, qui offre des pouvoirs incommensurables et permet de commander à leur monture infernale le messager des tourmentes. Si Seifongli devient un rançonneur de droit divin, les hommes et les femmes qui sont tatoués par le sceau du dragon, comme l'était Louis Lonsdale, deviendront ses serviteurs aveugles. Vous devez vous rendre en Mandchourie. Prouvez à Gai Chen, je vous en supplie, avant que Seifongli le trouve. Il saura comment obtenir l'aide des gardiens du dernier sacrilège en Mandchourie. Seifongli manipule les forces de la région, mais il a un ennemi qui n'est pas notre allié. N'approchez pas de l'océan noir. Et Ryuru lui prend la tête, fait Guangying. Non, Guangying, vous en supplie. Guangying. Qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer de mettre ma main à sa gorge pour voir s'il a un pouls, ni plus ni moins, savoir si je sens quelque chose. Tu sens rien du tout. Moi je suis abattu là. Moi je fais un signe de tête à tout le monde, c'est pour dire que non, en gros, ça y est, il est parti. Moi je mets ma main devant ma bouche pour masquer un peu mon sanglot quoi. Il a toujours les yeux ouverts ou pas? Ouais, bah justement, ouais. C'est ce que j'allais faire en fait. Il a à l'extrême en fait, je lui ferme les yeux, justement. Et tu vois dans son dernier regard fixe en fait une douleur immense en fait dans ce qu'il a ressenti dans ces derniers moments. Et vous voyez un des Chinois qui s'approche de Ryuru, qui tient toujours la tête, il lui met une main sur l'épaule, il fait. Viens, on va s'occuper de lui. Et il reste quelques secondes, en fait, là. Et il se lève.
Il se met assis sur le fauteuil, il commence à pleurer dans ses mains. Et du coup, vous voyez les trois Chinois qui mettent un drap qui traînait en fait sur lui. Et ils le prennent. Et vous voyez Georges Guédon qui s'approche d'eux, il fait attendez, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Les histoires qui se passent dans le quartier chinois restent auprès du quartier chinois. Nous avons toujours géré nos problèmes en interne et nous allons continuer à le faire, monsieur Guédon. Laissez-nous, il a assez souffert comme ça. Et Guédon se recule un petit peu, parce qu'il sait effectivement que malheureusement, ils n'ont jamais pu faire quoi que ce soit pour les Chinois, ou très peu en tout cas. Et ils s'écartent, et du coup ils sont en train d'emmener donc, le corps à l'extérieur de la maison, certainement dans la fourgonnette, vous savez pas trop. En tout cas ils sortent de la maison. Et Ryuru, en fait, vous regarde. Peut-être à Héloïse, parce que tu es resté vraiment à côté de lui, donc il va te regarder et en larmes totales, et il vous dit je vous en supplie, faites que ça cesse, faites en sorte de neutraliser Saifongli. Vous n'imaginez pas comme le monde est en danger avec lui. Vous en savez plus que quiconque en plus ici. Je vous en supplie, faites que la mort de Guangying ne soit pas vaine. Et en fait, il se jette au sol, tu sais, pour te supplier, en fait. En fait, je le relève, je le prends dans mes bras et je lui dis, vous inquiétez pas. Ça, c'est devenu personnel, pour le coup. Et, Guédon, en tout cas, moi, mais pour mes compagnons, mais c'est sûr. On arrêtera cette enflure, on l'arrêtera, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et Guédon prend le verre qui avait été servi plus tôt, il le descend d'une traite, et il te regarde, toi, Henri, en disant qu'il en aurait peut-être besoin, et tu vois qu'il fait les gros yeux, genre, ouais, effectivement, j'en avais besoin. Et du coup, il dit, je savais que nous devions nous méfier de Saifongli. C'est un manipulateur et je me doutais que traverser la moitié du monde juste pour venir dire bonjour et repartir cachait quelque chose. Mais je m'attendais pas à ça, pour être franc. À titre informatif, il a quitté Paris dans son train. Oui, j'ai vu la locomotive s'éloigner. Malheureusement, nous avions comme travail de faire en sorte que personne n'accède à son train. Le ministère des Affaires étrangères était strict là-dessus. Il devait rien se passer autour de Saifongli. Je dis pas qu'ils étaient dans le coup, ça m'étonnerait, mais la géopolitique actuelle est bien trop complexe pour laisser un simple grain de sable. Autre information, il a aussi enlevé la jeune demoiselle qu'on avait sauvée la dernière fois. Celle de l'incendie? Oui. Elle était... Bien, kidnapping, meurtre. S'il était encore en France, on pourrait l'inculper, mais... malheureusement... Son train doit encore y être, mais... Pour combien de temps? Malheureusement, il a des passe-droits. Il ne s'arrêtera même pas aux frontières. De plus, j'ai cru comprendre qu'il était accompagné d'un agent russe qui le laissera traverser toute la Sibérie sans aucun problème. Vous n'avez aucun pouvoir là-dessus? Vous ne pouvez pas le faire arrêter? Je sais qu'un de mes collègues devait prendre ses fonctions à Dairen, en Chine. L'avant-poste des Japonais en Mandchourie. Il avait un avion qui devait préparer ce voyage. Je peux demander au ministère de m'en charger et potentiellement d'accueillir des passagers. Si vous êtes prêt à partir avec moi. Franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Si Saifongli est mort, alors avec tous ses pouvoirs et toutes ses connaissances, croyez vraiment qu'on va réussir à l'arrêter? Pas Guangyin, pardon. Guangyin, tu verrais. Il t'entraîne à rien. On va trouver le maître tatoueur. Je vous avoue que... On n'est pas des experts en la matière.
Je me vois mal expliquer complètement la situation à mon supérieur. Il va juste me mettre... Comprenez maintenant pourquoi je vous ai demandé de vous asseoir et boire un coup. Hein. Oui, et je m'excuse d'avoir douté de ça, mais en même temps... Non, vous en... c'est normal, j'ai réagi comme vous la première fois qu'on m'a expliqué. D'ailleurs, je fais un signe à Henri pour qu'il me file un verre aussi. Ouais, je vais en chercher un. Je retourne à la cuisine, je vais chercher un verre. Je ramène même la bouteille et puis, tu sais, des verres sous les doigts, enfin, voilà. Ah ouais, ouais. Qui en veut, voilà. Je sers les verres, tu sais, et puis c'est pas des petits verres, hein, c'est des bons, tu vois. C'est... Je précise que Guangming, c'était lui. C'est vrai que j'avais pas mis, parce que de base, c'était obvious, mais c'était lui. Et du coup... Notre ami Georges Guédon. Cette moustache. Ouais, elle est beau. Elle est épique. Et Ryu, c'est lui, au passage. Et du coup, Guédon continue en disant si nous serons sur place, je peux potentiellement vous proposer des facilités de contact avec le consulat français pour des papiers, des billets de train, des laissez-passer, etc. Nous avons des bons contacts sur place. Ils pourraient nous faciliter aussi l'accès à certaines informations. De plus, le gouvernement français cherche là-haut à établir un contact officiel avec le jeune seigneur de guerre, Manchu. Et en évitant si possible l'intermédiaire de Saifongli, bien sûr. Si vous prévoyez de vous enfoncer à l'intérieur du pays, vous pourriez peut-être établir ce contact en plus et rendre compte. Cela affecterait Saifongli et le discréditera auprès du seigneur chez Manchu. Et l'océan noir, il a fini sa vie en parlant de l'océan noir, vous savez ce que c'est. Et Ryu dit non, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. C'est bon. Faut regarder ça en tête. Bien, en tout cas, je pense qu'il peut être intéressant pour une meilleure connaissance des différents acteurs de la région vis-à-vis de Saifongli de savoir de quoi il s'agit. Il disait que ils n'étaient pas des amis de Saifongli, mais n'étaient pas non plus des amis à... Des alliés pour lui. Des alliés à eux. Donc, on dit bien l'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais à voir dans quelle mesure. Bien. La soirée a été longue. En attendant, je vais retourner à la gare. Certainement que d'autres ont besoin d'aide. En attendant, je doute que les événements d'aujourd'hui ont dû laisser une marque dans votre esprit. En tout cas, dans le mien, c'est le cas. Venez me voir demain au commissariat de police. Nous discuterons de tout ça à tête plus ou moins reposée. Et j'ai encore du travail pour cette nuit. Mademoiselle Shane, je crois que nous allons finalement ne plus nous quitter. J'en ai bien peur, effectivement. Et il commence à se déplacer vers la sortie. Et il met une main sur l'épaule de Ryuru et il dit « Courage, gamin. » Et du coup, part à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, moi, je m'allume un cigare. Avoir... Je bois jamais de whisky, mais c'est du whisky qu'il a servi. Fourré, non, il doit avoir du saké ou quelque chose comme ça. Okay. Je vais boire un verre parce que j'ai besoin de boire. Ok. Pareil pour le coup. Et moi, même Ryuru, en fait, va prendre timidement un verre et au moment où il le met à ses lèvres, il a deux doigts de le faire tomber, le prend à deux mains et boit cul sec en faisant une grimace. Il est assez jeune, hein, Ryuru, il doit avoir même pas la vingtaine. Hein. Bah moi, j'ai un peu la même réaction, parce que je bois pas et je fume pas, mais du coup, on voit que tout le monde s'y met, je vais pas être le seul. Ouais. Moi, je descends, le verre. Moi, pour le coup, je descends le verre cul sec, et à peine fini, en fait, je retends le verre, tu vois. Genre... Une fois... Ça marche. Du coup, vous... Faites-moi tous un jet de constitution quand même pour...
Ah oui, bah oui, là, oui, pour le coup, on va finir par être torché. Parce que, carrière, du coup, hein. Avec le stress, non, mais avec le stress, le cœur qui bat plus vite, du coup, le sang circule plus rapidement et Héloïse... Eh bah, dites donc, il m'a la bonne, le logiciel, aujourd'hui. Ça a lancé de mon côté, parce que j'ai cliqué, mais je vois rien. J'ai pas... Non, il est pas parti. Non, il est pas... Attends, je vais faire F5, parce que j'ai l'impression que... Et, parce que j'ai pas vu le jet non plus, de toute façon. Ça se tient, je dis que je bois jamais un seul verre, je roule par terre, ça se tient. Héloïse, toi, au moment où tu bois, c'est pas vraiment, c'est pas tant l'alcool qui te fait mal, c'est toute la situation. Et en gros, t'as vraiment la nausée et tu te sens vraiment pas bien et tu es obligé d'aller à l'extérieur pour prendre l'air parce que tu te sens vraiment pas bien. Et en fait, au loin, dans le quartier, tu vas voir. J'ai pas vu ton jet, si tu l'as fait. 78, un échec. Oh, ok. Vous êtes tous vraiment pas bien. Hein. En plus, c'est un alcool que vous n'avez pas l'habitude de boire et tout, avec le stress, l'adrénaline, tout ça, ça fait un cocktail explosif. Hein. Et du coup, pour ceux qui ont échoué leur jet, vraiment, ça arrange pas vraiment la situation, l'alcool. Ça a même tendance à faire ressortir les sentiments et les émotions. Et pour ceux qui ont un peu l'alcool colérique, voilà, vous allez taper du poing sur la table, etc. Ça va vous mettre dans un état un petit peu encore plus mal, on va dire. Et toi, Héloïse, quand tu sors à l'extérieur avec une nausée de tous les diables, tu vois le quartier qui est complètement brûlé. Tu te rappelles d'une chose, c'est que vous avez failli mourir dans cet incendie, qu'il y a eu des morts encore aujourd'hui, et tu vraiment là tu prends conscience que Seifungli, c'est lui qui est à l'origine de tout ça, et vraiment il faut l'arrêter, quoi. C'est tout ça avec des petits walkers, pour le coup, bien sûr. Par contre, ça, au lieu d'avoir l'effet là, pour le coup, au lieu d'avoir l'effet genre je m'abats, en fait c'est l'inverse, c'est ça, c'est galvanisant. Mais t'es pas comme ça de fait, base, c'est pour ça que ça s'inverse, ouais. Là, pour le coup, en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est si je le chope, le gars, je le bute, quoi. Mais à main nue, hein, genre, s'il faut les nucléer à main nue, je le ferai, tu vois. Très bien.